dit dans notre jargon de trialiste. Ce gros franchissement en latéral. Je rappelle que Gaston, c'est des hautes études, donc il a moins de temps de s'entraîner. Mais quand il est comme ça, en fin de côté trial, c'est le bris de chaîne. Tu casses la chaîne, tu n'as plus de point d'appui. Et là, c'est délicat. Donc, c'est un sport dans une. Pour monter sur la voiture en bois, ping-pong et applaudissements pour la balle de Sénès. C'est 2 minutes, toutes les 30 de 10 secondes, c'est une pénalité qui tombe et ainsi. On va, allez, c'est parti, ping-pong. En tous les cas, pour Théo, c'est parti maintenant. Le point culminant de cette zone numéro 3. Allez, encore quelques petites portes à franchir parmi ces rochers. Et on fait attention. Voilà. Maintenant, et cette porte. Attention à la roue arrière. Sur cette première difficulté, allez. Oui, on peut l'applaudir, pas de problème. Les autres difficultés derrière, enfin, on va déjà appréhender celle à venir pour Thomas Pitchaker, 7e des championnats d'Europe cette année. Et là, c'est du. Ok, ça c'est fait. Allez, il est tonique, hein. Normalement, il devrait pouvoir y aller. Voilà, on va l'applaudir. Là pour prendre l'élan nécessaire et monter sur ce bois. Voilà. Yes, on va l'applaudir. Allez, allez Albertine, allez. Oui. Bon, super. Le grand écart qui va nous envoyer là. Hop. Ah oui, Théo Courtès qui nous régale là-bas. Il va passer le vélo dans la porte, c'est fait. On continue à l'applaudir, il va peut-être nous sortir cette zone. Thomas Pitchaker. 20 pouces, on va les retrouver sur le podium dans quelques instants. Des morphos, civiges et même du feu sont vraiment aucune volonté. Donc pour Marius, il a 2 points de handicap vu qu'il était 3e. Donc 2 points de handicap pour Jonathan Neumann, c'est un seul point de handicap qui est collé pour cette finale. Et on a bien évidemment la cabane de FDS à 0.